de la folie, Walter! La location de ce train nous coûte une fortune! Sans parler de la montgolfière! La fin justifie les moyens, John! Parlons-en de la fin! Faire évader les Dalton! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest! Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest! J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres-forts comme des petits pains. Walter, qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter. Offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John! Pense aux retombées! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. Y'a quelqu'un qui m'a acheté une échelle. Avril, dites-moi. Suivez-moi. Hey Joe, t'as vu? Y'a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle. Avril, grimpe, vite, on s'évade. Je préfère m'évader par en dessous, moi. Par en dessus, j'ai pas confiance. Décoller! Faut larguer du lest! Dégagez! C'est notre invasion! Du large! On est trop lourd! Il faut! Tiens plus sur tes cannes. Encore un, je monte de descendre. Oups. T'es mort, t'entends, t'es mort. Hé, hey, ça me démange sous les côtes. Faut que je me gratte. Te gratte pas, Avril. C'est bon là, c'est bon! Descends, descends! Reçu 5 sur 5. Ah non, non, non! Remonte! Remonte! Faut savoir ce que vous voulez! Faut que je me gratte! Faut que je me gratte! Avril, tu vas pas rester comme ça. Si, je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non. Ah, comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pieds tendres. Ici, celui qui a des idées, c'est moi. Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trick Gulch. Ah ouais, je l'aime bien, celle-là. La banque de Trick Gulch? Ouais, pieds tendres. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait évader, je te laisse la vie sauve. Aïe! Aïe! Mais enfin, Avril, pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Il
Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. C'était pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trick Gulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon ? Je résiste jamais à un nougat. C'est bon d'être célèbre. Tagada, voilà les Dalton. Mais messieurs Dalton, quel plaisir de vous revoir. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenées à l'abreuvoir. C'est vrai que ça manquait d'aération. Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais. C'est vrai ça, Joe. Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier, c'est l'heure de la soupe. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Hey, moi aussi, je veux jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Chou, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. C'est l'or. Mais les bêtes à bouffer du foin. Pire, du bois, des cailloux. Du charbon. Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la se met, Lucky Luke. Oh, quelle merveilleuse machine. Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah ben oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au bico! Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute. Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute. T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle. Ça marche. Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple.